Yoroi, Minasan, c'est Gunjo, et aujourd'hui on se retrouve pour la partie suivante, on va dire, de l'épisode 145, vu que c'était plus d'une heure, donc voilà, donc là c'est la suite. Donc voilà, donc bienvenue sur l'épisode 146 de Fallout 4, sur la recherche, comment dire, pour créer cet engin, quoi, l'engin qui va me servir à aller chez l'Institut. Donc voilà. Donc, bon visionnage! Bon, il faut aller où là? Je me balade depuis tout à l'heure. C'est là en tout cas. Non. Ah, cette verre là alors. Ouais. Ok. Ça y est. Y a quelqu'un ? Ok, j'ai perdu mes deux jambes. Adios, ce super mutant. Putain, mais il fait mal, le con. Il fait mal! Ah ouais! Ouais, je regardais ça, putain. Temps de manger là. Hop. Un ultra jet. Oui. Point, point, point dans ta face. Dans ta face. Je suis super ralenti. M'en fous, j'en masse tout, je vendrai. Sauf les armes pourries. Par contre, là, je suis long, là. J'ai très. Max. Et en plus c'est pas par là que je dois y aller. Poule mouillée. Quoi, poule mouillée? C'est la poule mouillée, ouais. Ramène ta phase, t'es défoncé. Viens là toi, je vais t'échanger. Attention. Oui. Voir un peu par ici, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? On m'offre jamais des cadeaux à moi. T'es sûr? Franchement, un cadeau, hein, ça donne pas comme ça, ok. Ouais, si tu veux, j'ai un cadeau pour toi. Allez, sors de ton trou. Je suis pas dans mon trou là, je suis dans votre trou.
Ok, ça te sert là, là. Où faut-il aller encore? Ça dit qu'il faut aller. Je suis perdu dans ce machin, moi. Ouais, la colle. Tu vas me le payer, le mourir. J'entends quelque chose. Change de disque, il est rayé, je pense. Putain, mais je suis perdu, il faut que j'y aille, bordel. Personne. Blessé. Putain. Je réponds au hasard, je peux le faire à l'infini, donc allez, stupide machin. Ça, mais c'est quoi le mot de passe, sérieux? Merde. Juste de disparaître. Magicien. Je te sens. C'est bon. Ouh. Putain. Ah mais fain. Petite fouine. Quoi, petite fouine? Je suis point une fouine. Ok, j'espère que c'est ça. Je vais pas tarder à te trouver. Putain, me fait peur lui. Sérieux là. En fait, ça servait à rien d'ouvrir le machin, c'était pas là-dedans. J'aurais pas mon détecteur en fait d'objets. Je suis où? Je suis complètement paumé dans ce machin là. Pas tout emporter. Mais si, je peux tout emporter.
Non mais sérieux, ça me saoule là, c'est... Il faut aller où là, bordel? Qu'est-ce que c'est vers là? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Peut-être qu'il faut descendre d'un cran? Aujourd'hui... vers là-bas. Ça me dit qu'un emplacement qu'il est là. Emplacement là. Putain, ça me saoule là. Là, bouge ton glas. Ouais, c'est là. Putain. Si là, fuck me. Allez. Le mec qui tire pour espérer d'avancer. Putain. J'ai trouvé le Saint Graal. C'est le moment de se barrer. Allez, on sort d'ici, bordel. Allez. Allez. Sorti de ce bordel là. Putain. Ok, alors. Tac. Ok, merde. On est où? On est pas au bon endroit, fuck.
TPL. Putain. Ça, je suis pas loin. Putain, je suis si lourd à ce point là, putain. Fuck. Attention. Que puis-je faire pour vous? Vous avez eu des yeux plus gros que les poches? Alors, ça c'est fait. Alors, console de commande. On va mettre. Je crois que normalement ça va dessus. Tiens. Merci. Ok. Bon d'accord, mon petit générateur, tu vas servir à que dalle. C'est quoi ça? Ah néon, ok. Tu vas servir à que dalle. Il me faudrait ça, il faut... Oh putain, vas-y, il manque deux cristals. Il y a une aiguë. On y est presque. Ok, je vais me TP en haut, je vais voir s'il y a des cristals en haut. J'espère qu'il y a ça. Je veux des cristals! Attends. Ça glattait. Pourquoi je me suis pas TP en haut? Allez sur le prix de douane, bordel. Oh fuck you. Putain, mais je peux choper où des cristals, bordel, sans vendeur? Putain, j'aurais dû ramasser ces microscopes là encore plus. Oh merde, en même temps j'étais sur le mauvais cadre. Ta 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 ta. Toi! En plus, j'ai tout récupéré sur moi. En mode what? On va faire ça, je génère comme ça, au moins j'aurai assez d'énergie. Attention, le briefing tactique prévu demain a été repoussé. La nouvelle date vous sera communiquée prochainement. Ils s'en foutent de la date, ouais. Il me faut les cristals. Oui. Le capitaine Lancier Kells est l'un des meilleurs officiers que j'ai eu l'honneur de servir. Ouais, c'est bien. Jamais. Pourquoi tu pousses là comme ça, toi? Comment là? Oh, oh, oh. Je suis paladin, enfoiré. Je suis général même, si je veux. La libération du Commonwealth, c'est une énorme responsabilité. Putain, vas-y, il me faut du cristal, quoi, c'est vrai. Si vous croisez des synthétiques... Pas de morceau de cristal dans le coin. Par contre, le crâne, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Sérieux. Terminal, non. Je perds tout ce qui peut être utile. Hein. Gabelle de chat.
putain des cristals, il faut que je trouve les cristals quoi. Oh putain. Restez là. Monsieur. Prudence. Je suis. On y va. Oui. Ok, ok, ok. Pour rester en vie, portez toujours. Connétable Tigan. Il est grand temps de ravitailler le prix d'Ouen en plus. Pas question qu'on soit obligé de rationner la nourriture. Ouais, troqué. Il me faudrait plus de puissance de feu. Justement, je viens de recevoir des armes de qualité. Attendez voir, hein. Non, je crois que j'ai des armes énergétiques. Je pense que si je les daise, je récupère du cristal. Excusez-moi, connétable Tigan. Si ces fermiers vous causent des ennuis, j'imagine que vous savez quoi faire. Feu. Équipez-moi. Justement, je viens de recevoir des armes de qualité. Ok, bon, il n'a pas ce qu'il faut. Je vais devoir... comment dire... Il paraît que vous avez certains passages. Bon, il y a certains passages que vous avez vus qui, comment dire, qui a été coupé, hein, on va dire, parce que il manque qui est pas mal. Vous avez vu des passages coupés rapidité, on va dire, parce que en fait il manquait des composants. Et là, je suis en recherche de cristal. Donc c'est la merde. Je me TP au château, je ne sais plus où il est. Château là-bas. Ok, nous sommes dans le château. J'espère qu'ils ont ça ici. Ok, je vais tout récupérer à ce que je pouvais ici. Ok.
compliqué le mec. Ok, bon, j'ai construit quelques trucs par-ci par-là, voilà. Je sais pas, j'ai trop de choses sur moi là. Ah ouais! Ouais, quand même! Normalement, tout le monde qui est bas qui est pas sur moi, donc ça va. C'est plus niveau arme, je pense que je dois la max. En tenue, je sais pas. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le cœur, si je puis m'exprimer ainsi. Je voulais vous dire à quel point j'étais honoré d'être à vos côtés. Vous ne pouvez imaginer le cauchemar que j'ai vécu ces deux derniers siècles. Le cataclysme. Ne pas savoir si vous et votre famille aviez survécu. Comme je fus soulagé de trouver l'entrée intacte. Ça n'a pas été facile, j'imagine. Comment tu as tenu le coup? J'ai d'abord travaillé jour et nuit sans relâche. Et croyez-moi, ce ne sont pas les tâches qui manquaient. Mais progressivement, les grands travaux ont laissé la place à de modestes corvées. En réalité, ce sont mes souvenirs qui m'ont sauvé, monsieur. Les moments passés avec madame et vous, avec le jeune Sean, votre amour et votre gentillesse. J'ai tenu bon envers et contre tout. Aidé par l'espoir qu'un jour je verrai émerger, si ce n'est votre femme et vous, au moins Sean ou ses enfants. J'ai voilà. Ta chance que tu sois resté dans les parages. Monsieur, vous n'imaginez pas comme je suis heureux de vous l'entendre dire. Je voulais vous dire que je vous considère comme un parent. Je ne suis qu'un simple robot pour la plupart des humains, mais j'espère être plus que ça pour vous. Trop sentimental. Voilà, tu fais partie de la famille. Tu es un membre à part entière de notre famille, Cotsworth. On va devoir se serrer les coudes. Ensemble. Oh, c'est tellement merveilleux de vous entendre dire cela. Mes batteries sont trop rechargées comme au premier jour. Enfin, je vais m'arrêter là avant que du liquide de refroidissement ne commence à couler de mes appendices oculaires. Ok, donc voilà, donc là j'ai fini de construire le machin, patititi patata. Donc voilà, donc là ça va être la fin de ce long épisode. Sacré épisode, putain, j'en ai fait de tous les côtés, je suis allé partout. Attention, monsieur. Ok, là. Bon allez. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Merci, monsieur, c'est très aimable à vous. J'ai toujours eu la plus grande admiration pour vous et votre famille, et ce, depuis le jour où mes senseurs visuels ont été initialisés. Madame et vous, toujours si bienveillants avec le jeune Sean, et toujours prêts à me confier la prunelle de vos yeux en toute confiance. Voilà qui réchauffe mon noyau atomique. Imaginez seulement la détresse que j'ai ressentie quand les bombes sont tombées. Après votre entrée dans l'abri, j'ai cherché sans relâche la plus petite preuve de votre mort, mais en vain. Il ne me restait plus qu'à espérer que vous soyez indemne. Quand vous avez reparu, j'étais fou de joie. J'avoue avoir lancé un diagnostic complet de mes systèmes pour m'assurer que je ne souffrais d'aucun dysfonctionnement. Mais quand j'ai appris la nouvelle, la terrible nouvelle pour madame, bon, ouais, hein. Il faut une volonté et un caractère héroïque. Super, pour robot. Survivre à cela. Très fleur bleue. Tu es très fleur bleue, finalement, pour un robot. Peut-être, mais c'est ce que je pense au fond de mes processeurs. Pensez à tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez accompli dans ce monde de désolation. Pendant mes deux siècles d'existence, j'ai vu nombre d'hommes et de femmes de valeur succomber face à l'horreur. Mais vous, monsieur, vous avez su rester une figure exemplaire que toute l'humanité devrait suivre. Arrête tout de suite. Merci, Cotsworth. Bon, allez, on va faire sentimental. Ne me remerciez pas, monsieur, c'est inutile. Mes processeurs cognitifs m'assurent d'une chose.
Si le Commonwealth doit se relever un jour, ce sera sous votre impulsion. Mais n'en parlons plus. Rien ni personne ne pourra me faire changer d'avis. Remettons-nous au travail. Ok, bon, c'est la fin, hein. Ouais, ça, c'est la fin. Ok, vous êtes un... Compassion robotique. Ok. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Fallout 4. Et ce sera le prochain, ce sera passer par ce portail et allons botter les fesses de ces enfoirés de l'Institut. Donc voilà, donc c'était Cachot. Bye bye.